Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin ou cet après-midi en fonction du moment où vous allez faire cette vidéo. Et c'est une vidéo que j'aime bien dans cette période parce qu'on est tous un peu anxieux, un peu stressés par tout ce qui se passe. Et franchement, c'est normal. Alors, c'est une vidéo où je vais vous apprendre à gérer votre stress, mais avec votre respiration. Ça s'appelle la cohérence cardiaque. D'abord, il faut que vous sachiez une chose, c'est que l'être humain, il est géré par deux sentiments. Un sentiment qui est la peur, enfin, et par d'autres sentiments aussi, mais c'est les deux plus importants. La peur et un autre qui est le plaisir. Et dans cette période de coronavirus et de confinement, bah, la peur est très présente. Vous avez peur d'attraper le virus, vous avez peur que vos enfants n'aient plus de travail, que l'économie chute, enfin. C'est sujet à plein d'anxiété et à plein de questionnements dont on n'a pas toujours forcément les réponses. Et il y a le plaisir. Le plaisir, c'est avant de parler du plaisir, cette peur, elle est nécessaire parce que elle vous permet d'être vigilant et de rester en vie. Hein, bien, parfois, vous êtes hyper vigilant, ça, c'est moins bien. Mais la peur est donc un sentiment et une émotion complètement naturelle et pas si néfaste que ça. Ensuite, il y a le plaisir, le désir, le circuit de la récompense. Eh bien, ça, c'est une projection vers le futur. Ça vous donne envie de connaître ce qui va se passer après. C'est vraiment une expectation vers le futur. Et donc, c'est aussi une façon de rester en vie beaucoup plus longtemps. Le problème, c'est que dans cette période de coronavirus, eh bien, la balance est plus équilibrée. La peur est beaucoup plus forte que le sentiment de plaisir. Et ce qui engendre un stress et des anxiétés. Comment fonctionnent les anxiétés? Je vais vous l'expliquer très simplement. Vous avez un système nerveux central, hein, qui est comme ça en fait, et qui relie le cerveau, le cœur et les poumons. Voilà, c'est une boucle comme ça. Il y a une partie de ce système nerveux central qu'on dit autonome. Ça veut dire c'est le cœur qui bat, la digestion, mes yeux qui clignent, toutes les fonctions physiologiques dont vous n'êtes absolument pas conscient, comme la respiration. Je respire mais j'en suis pas du tout consciente et dont vous n'avez pas à vous occuper. Ensuite, ce système, il est aussi un système nerveux qu'on appelle volontaire. Ça veut dire moi je plie mon bras, je décide de regarder en bas, je décide de fléchir ma jambe. Donc ça, ce sont des actions que je contrôle. Et dans ce système nerveux volontaire, il y a deux branches. Il y a le système nerveux sympathique, qui ne l'est pas toujours tant que ça, qui est un espèce de guerrier. Et un système nerveux parasympathique qui est un bouddha, qui est calme, qui vous apaise. Mais dans cette période de stress et quand on doit gérer du stress, s'adapter à des situations nouvelles, on fait appel au guerrier. Et ce guerrier stimule, dynamise votre corps, le rend très très nerveux, hyper vigilant et ne laisse pas la place au bouddha qui se tait. Et quand l'anxiété est trop forte, ben, le guerrier est beaucoup trop belliqueux et il va falloir le calmer et laisser la place au bouddha. Comment faire? Eh bien, tout simplement en se servant de notre respiration qui normalement est complètement autonome et on va en faire une respiration contrôlée. On dit une respiration forcée qui va faire appel au fameux Bouddha et qui va calmer tout ce système nerveux. C'est très simple. C'est très utilisé par les pilotes d'avion ou les navigateurs en solitaire qui dorment très très peu et qui doivent souvent pouvoir apaiser leur psychisme. Donc ils se servent de cette respiration, la cohérence cardiaque. Je vous montre. Alors, vous allez vous mettre debout. Je vais vous montrer de face et de profil. Les jambes écartées de la largeur des hanches. Vous abaissez bien vos épaules. Voilà. Je me sens bien le poids du corps entre mes deux jambes. Et pour bien ressentir le mouvement du ventre, on va d'abord le faire debout. Placez vos deux mains sur votre ventre. Vous pouvez même fermer les yeux. Je vais d'abord vous l'expliquer, on va le faire ensemble. Vous allez inspirer par le nez en gonflant, gonflant, gonflant votre ventre comme si c'était un accordéon, mais pas dans ce sens-là, dans ce sens-là. En cinq temps, au cinquième temps, vous allez souffler par la bouche au même rythme, en six temps, hein, c'est un temps de plus, en poussant vos abdominaux vers votre colonne vertébrale. C'est parti. Inspirez,
C'est parti. 1, 2, gonfler. 3, n'ayez pas peur de gonfler le ventre. 4, encore 5, il est bien gonflé. Et soufflez. 4, 5, 6 par la bouche, mais les abdominaux se contrôlent. Et je relâche. Vous lâchez bien les bras, je vous montre de profil. Là, qui est parallèle. Poignée au corps au milieu des deux jambes, les mains sur mon ventre. Je vais inspirer et gonfler. C'est parti. 1, 2, regardez, je gonfle. 3, 4, 5, stop. Et je souffle par la bouche en 6 temps. Et je relâche. Voilà. Si vous n'avez pas un souffle aussi long, vous faites en fonction de ce que vous pouvez, mais au maximum. Gonflez, gonflez, gonflez. Et soufflez, soufflez, soufflez. Vous allez mettre un petit sablier à côté de vous. Ou votre téléphone, votre iPhone, et vous avez décompté les minutes, et vous faites cette respiration. Il y en a environ 6 par minute, en faisant un temps de pause entre chaque respiration. Et vous le faites pendant 1, 2 ou 3 minutes. Vous allez voir le bien que ça va vous faire. Ça va complètement calmer votre système nerveux. Et du coup, comme tout est en corrélation, votre cœur va battre moins vite, vos poumons vont moins ventiler, et vous aurez moins d'idées noires, de ruminations. Sachez que souvent, les idées noires et les ruminations, c'est un schéma mental que vous créez, un scénario catastrophe, sur des choses où, en général, vous n'avez même pas les réponses. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Et ça arrive le soir. Alors, quand ça arrive le soir, ce n'est pas du tout une bonne idée. Donc, c'est pour cette raison. Faites cette respiration le soir avant d'aller vous coucher. Vous pouvez la faire coucher de la même façon que je viens de la faire debout, en gonflant, en relâchant votre ventre, c'est aussi bien. Et vous allez voir que ça va vous détendre et vous allez prendre de la distance. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous accompagne demain pour une nouvelle vidéo. À demain, au revoir.